Ça va? Oui, ça va. Et toi? Loulou. Hey, comment ça va? Ça va, ça Hey, va, toute belle. ça va, ça Comment? Non, ça va, on est là. On est là, on est là. C'est vrai, c'est bien d'avoir une sœur en tueuse dans cette église. J'étais que seule, hein, tout tu ce temps étais seule ici. Toutes ces années, c'est vrai. Dieu merci que tu sois venue. C'est normal. Et le pasteur nous prêche aussi l'unité. L'unité, l'amour, dans une église, il faut l'unité, il faut l'amour. Sinon, une église ne peut pas. Parce que Dieu est amour. Amen. Jésus-Christ est amour. Oui. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit marcher dans l'amour. Tu vois? Voilà. Il ne doit pas y avoir des divisions, tout ça. Non. Non, oui. Hein? C'est très important. C'est très, très important, oui. Je me rappelle même quand Paul écrivait aux Corinthiens, là, comment il leur disait que non, j'ai appris qu'il y a division parmi vous. Il y a ceux qui se disent, nous sommes des Paul, les autres, nous sommes des Apollos et tout ça. C'est compliqué, hein, Paul n'aime pas ça. Il ne faut pas. Oui. Il ne faut pas. Mais, quand même, il faut être aussi. Parce que tu étais seule avant. Oui, j'étais seule, hein, la seule entière. Aujourd'hui, je suis venue, on est deux maintenant. Voilà. Voilà. Donc, c'est vrai que on est dans une église à majorité, bon, des Congolais. Eux, ils se soutiennent. Ah. Oui. Voilà. Toi et moi, nous sommes antillaises. On doit aussi se soutenir. Donc, même si c'est vrai, c'est l'unité, il y a l'amour, mais il ne faut pas oublier que c'est d'abord antillaise, antillaise. Oui. Ah oui, ma chérie. Okay. Oui, oui, Dieu nous entend. Oui, le Seigneur, il est amour, c'est l'amour. C'est-à-dire, si tu vois qu'il y a une sœur qui a des problèmes, tu peux l'aider. Oui, oui. Voilà, si tu vois une sœur congolaise, par exemple, qui a des besoins, tu peux aider. Mais si tu sais que ma sœur antillaise est dans le besoin aussi, tu aides d'abord ta sœur antillaise. Donc, tu aides d'abord l'antillaise avant d'aller aider. Avant d'aller aider, mais oui, la charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Donc, c'est comme ça que toi, tu comprends l'unité là que le pasteur prêche chaque dimanche. C'est ça, c'est comme ça que tu comprends. L'unité. Tu te souviens du passage où Jésus a dit à la femme là, La femme là qui venait, qui a dit, oh non, vraiment, Seigneur, guéris mon enfant. Oui, oui, oui. Jésus a dit quoi? La femme, elle a répondu à Jésus, les miettes, parce que la nourriture n'appartenait pas. Voilà, parce qu'ils n'étaient pas, de la même, comment on dit, c'était pas le même... elle n'était pas juive, je crois. Voilà. Mais c'est ça, ma chérie. Ça, c'était qui? C'était pas Jésus? Oui, 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 oui. Ah. Donc, les autres peuvent avoir des miettes. Et toi et moi, on mange du pain. Mais oui. C'est-à-dire, toi, tu es antillaise. Moi, je suis antillaise. On doit d'abord se soutenir. Esprit de Python, je te chasse au nom puissant de Jésus. Ça, c'est l'esprit de division. Ça, c'est l'esprit de haine. Je te chasse. Libère cette femme. Esprit de Python, va-t'en.